Bonjour à tous et à toutes, je suis Arius et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, pas mal de choses, le Colisée, nous avons récupéré Kat, notre allié actuel, mais comme vous le voyez, nous ne sommes pas assez puissants, du moins elle n'est pas assez puissante. Le but de cette vidéo donc, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à le faire, résumé rapide, la sœur de Mina, dont j'ai oublié le nom, a été enlevée par le gang du Joker, et nous avons donc pour mission de les ramener. Le but de cette vidéo est donc d'amener au moins 4 au niveau 10, voire 11 si possible, de lui procurer un meilleur équipement, ouais, parce que c'est pas avec ça qu'on va réussir, et de finir ce petit donjon pour avancer dans l'histoire. Donc là, il y a un spot à monstre, ça va être du farm, comme d'habitude. Du coup, vous connaissez, petite ellipse. Bon, alors, comme vous le voyez, malgré un niveau 9 assez rapide, il faut beaucoup trop d'XP pour atteindre le niveau 10. Donc on va tester comme ça. J'ai acheté quelques objets, un peu d'équipement, donc on va se lancer dans la suite. Là j'ai vu un coffre, je veux le coffre. Pour le moment ce sont des mobs que je peux faire sans trop de problèmes. Je vais abuser de l'herbe par contre. Serait certain. Parce que comme vous le voyez, Kat va potentiellement mourir. Mais bon, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Bah tenez, une arme gratuite. Donc, l'arme gratuite, c'est pour Kat. Voilà. Encore heureux qu'elle n'ait pas beaucoup de PV, même si c'est gênant. Très gênant pour moi. Encore des larves. Une attaque simple. Oh là là, riposte. C'est beau. Il est pas mort. Vous êtes d'accord? Très bien. Ah, ça, je déteste. Ça, c'est 15 de dégâts. Ah non, 18. On est sur 18, d'accord. Ok. Hop, petit critique. Parfait. Bon, j'en regagne de la thune. Et comme je vous l'ai expliqué, l'expérience gagnée est divisée par... pour chaque personnage. Donc c'est 96 divisé par 2. Alors, j'ai gagné un truc. Waouh, mon attaque passe à 57. Et elle ne peut pas le mettre. Et bah parfait ça. Parfait, parfait, dis donc. Un petit boost de plus 6 en attaque. C'est pas dégueu. Ah oui, on est bientôt à 100 d'attaque en critique. Pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout. Que tout cela. Bon, avançons. J'aime bien explorer. Et j'ai vu un coffre. J'aime bien les coffres. Ah, alors c'est là-dessus. On va voir combien je vais mettre de dégâts. Et voilà, à cause de ça. Je déteste. Je hais ce sort. Oh, en critique. 140. Ouf. Ouf. Ah, ça fait du bien. Et merde. Dommage. Dommage, ça partait... ça commençait bien. Avec 84, même avec un malus d'attaque. Ça va. C'est acceptable. C'est très acceptable, même. Et là, qu'est-ce qu'on a? 100 ennemis. Pas mal. Ah, alors ça. Menu fretin. Le filou. Et en critique.
Là, depuis le début, il me fait beaucoup d'esquives, de ripostes et de critiques. Plutôt une bonne nouvelle. Je vais pas utiliser trop mon sort de soin, par contre. Encore une fois. Attaque. Oui, attaque, ok. Encore un critique. Incroyable. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Ah là là. Ah, par contre, en défense... Ah bah, déjà niveau 10? Ah ouais, par contre, là, 1000... Alors, c'est 1008. Je crois que c'est un 8. Ouais, 1008. Donc 600 d'XP, ça va être long. Mais niveau 10, donc finalement. Et niveau 10, comme je l'ai... comme je l'ai dit. Bon. Ok, donc là, il y a une réunion extraordinaire. Salut Jean-Mi. Le chef est occupé pour l'instant. Elle va là-bas. Ah, merci pour la garde. Tu peux te reposer maintenant. Ah mon dieu, c'est l'arbin. Ouh là, c'est un larbin. Je crois que ça a un poids plus de vie. Ah mon dieu, quelle attaque. Quel jeu de main. Et voilà, riposte. Waouh, quel combat. Attention, moment doublage. Rends-moi ma sœur Mina. Oh oh, et tu es vraiment belle. Et quand tu es furieuse. Y a pas de différence entre l'arbin et puis la voix de méchant. Et Nina, ne veux-tu pas approcher ton magnifique visage? Rends-moi ma sœur. Hé hé, chérie. Écoute le chef, tais-toi et fais ce qu'il te demande. Oh la vache. Elle me touche pas. Oh, il est décédé. Il est décédé de brûlure. Et maintenant, rends-moi Mina. Et la prochaine fois, tu ne t'en tireras pas avec juste une brûlure. Oh oh, je dois te la rendre. Oh oh oh. Elle était cachée derrière ce caillou. Sœur. Mina, je vais te sauver maintenant. Oh oh, n'est-ce pas magnifique? C'est de la mûre. Mais pas encore. Vous aviez promis un roi chelet pour moi. Je suis désolé. Mais non. Tu dois le demander gentiment. Et maintenant, voilà ce que tu dois dire. Je promets d'utiliser ma magie à votre service. Et je deviendrai votre esclave. Et viens ici maintenant. Prête ton serment. Ce doublage. Maurice Sarfati. Toujours dans le cœur. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas le non. Comme réponse, Nina. Tu es séminal, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas le faire, je peux faire en sorte que mes hommes t'aident. Amène Nina et mettez-la devant moi. Je suis méchant. Je suis le Joker. Amène Nina et mettez-la devant moi. Non, je me répète. Nina, dis-le. Jure que tu m'obéiras. Waouh, quel coup de pression. C'est mauvais, Harry. C'est mauvais. Nous devons sauver Nina. Allons reprendre les otages. Mission, sauver l'otage. Oh, regardez-moi ce... cet agencement incroyable. Laisse-moi faire. Tcha 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 tcha. Attention, petite tête dans la tête. Es-tu prête à prêter serment? Vous promettez de laisser partir ma sœur? Non, elle a vu ça. Ah bah le décès. Elle a disparu. Nina, j'ai ta sœur. Yeah. Et qu'est-ce que c'est? Et tu es là. Oh mon dieu, ce combat. Voilà, c'est le combat que je redoutais. Quatre larmes. Vais-je décéder? La réponse. Ah, possiblement que non. Donc continuez de m'attaquer. Oh, la riposte de Ryu. Ah ouais, par contre, avec un 13 de dégâts sur 4, ça... Ah, ça pique. Et le critique. Heureusement que c'est elle qui attaque en premier, enfin qui joue en premier. Prends une petite herbe, sniff de l'herbe.
Allez, continuez de m'attaquer, ça fait du bien. Petite riposte. Parfait. Un gratos. Oh, l'esquive et le coup critique, incroyable. Mais quelle âme sérieux. Alors, esquive et le coup. Oh là là. Mais quelle incroyable habilité. Oh, max XP, parfait. Bien, et nous avons tout nettoyé ici. Et nous n'avons plus rien à craindre maintenant. On dirait le Joker. Putain, quelle tête de Joker. Oh non, ils ont tous été battus, Robert, Roger et Raoul. Oh, pardonnez-moi. Et paf, la pastèque. En fait, il est juste caché, là, je le vois encore. Et merci. Et grâce à vous, nous sommes sauvés. C'était dangereux, mais nous l'avons fait. Ah mon dieu, mais que se passait-il? Oh oh, c'est vraiment très douloureux. Mais comment oses-tu me faire mal? Je dois te le faire payer, Nina. Et en fait, c'était un méchant méchant. Oh putain, cette tête. Idiote, Nina. Tu vas payer pour cette insulte, puisque je vais te tuer. Et c'est un boss. Et je ne suis pas full vie. Trop bien. Alors, quatre attaques. Nina. Nina a le pouvoir de la foi. Mais Nina a aussi un vrai pouvoir. Celui de casser le cul. Alors, lame de vent, flèche d'éclair pour une sorte de zone, pierre de feu, pierre de glace. Attaquons avec le vent. Ah, mais j'ai gagné toute ma vie. Comment? Pourquoi? Je sais pas. Un critique qui met à 50, c'est peu sa mère. Un vent qui met à 33. Ouah, c'est... peu. Ah! Quoi? Ah! J'ai mal! J'ai mal! Au secours! Mais putain! Niveau 8, merde! Ah, mais quel sort de merde! Ah, remboursé! Ah, rembourser, s'il vous plaît. Coup critique à 50. Mais c'est nul. Et le froid. Allez, plus de dégâts, s'il te plaît. 76. Ah non, 4 va décéder. Heureusement que j'ai fait le plein à max d'herbe. Alors, c'est le vent, c'est de la merde. Le froid, c'est utile. Testons la pierre de fuchs. Oh là là, mec. Mais quel combat. 29, mais c'est nul. Oh la vache. 24, ok, donc du froid. Du froid, ok. Ryu, tu vas rien faire. Si tu vas attaquer, Kat, elle va attaquer. Et Nina, elle va continuer avec du froid. Parce que c'est le seul sort utile. Oh là là, mais c'est dégâts nuls. Oh, c'est décevant. 76. Ah mais c'est... Oh non. Alors qui va décéder? Ouais. Je le savais. Et en plus c'est l'empoisonné. Alors. Du coup c'est Nina qui va servir d'infirmière. C'est un peu réducteur dit comme ça mais... Oh puis l'empoisonné. Oh scu. Au secours aidez-moi. Allez critique à 50. Du coup, le poison, est-ce qu'il est... Comment ça, 68, c'est nul? Ok. Ryu attaque, 4 se soigne. J'ai bien fait d'avoir un max de... Un max d'herbe. Je voudrais éviter de crever, s'il vous plaît. Merci. Pour l'instant, ça se passe. J'ai failli perdre... Ah, bah voilà, c'est fini. Parfait, Ryu est niveau 11. Yes. Joie bonheur dans mon cœur. Je ne peux pas le croire. Cela ne peut m'arriver. C'est impossible. Blablabla. Je disparais. Je meurs. Et tout redevient lumineux. Incroyable. Nina. Incroyable. Mina. Pourquoi as-tu quitté le château? Je suis désolé. Je voulais te voir. Je suis désolé. Ah, je suis désolé, désolé. Merci. Et grâce à vous deux, j'ai été capable de la protéger. Je vais la ramener chez elle.
tout le monde doit s'inquiéter. Oui. Oh, attendez. Voilà, beaucoup trop grave. Allons-y ensemble. On s'amuse bien ensemble, pareil. Non. Vraiment? Je suis si contente. Je ne voulais vraiment pas rentrer seule. Je ne sais pas comment vous remercier. On s'arrange. Oh, c'est bon, pas la peine de nous remercier. À la place, enseigne-nous certains de tes sorts de magie la prochaine fois. Ouais, ce serait utile. Rentrons, Mina. Allez. Oui. Luke, Kate et Nina ont décidé de rentrer avant-hier ensemble. Et c'est vrai qu'elle est en train de décéder. J'ai pas un contre-poison. J'ai pas un contre-poison. Au secours, aidez-moi, help. Bon, j'ai un seul. J'ai un antidote. Équipement. Si je peux te mettre un truc, toi, ce serait cool. Non, tu peux rien mettre. Ok. Alors, du coup, bah là, y a rien. Du coup, on fait le tour. Allez, on fait tout le tour. Et bien tout le tour. Hein. Au cas où, on sait jamais ce qui peut arriver. Alors normalement, il me restait un coffre à obtenir, pas ici mais dans la salle du tout début. Là il y avait rien. Bah il y a plus de monstres maintenant. Là il y a quelque chose ou pas? Non, il y a juste l'araignée. Bon, Jean-Mi il s'est cassé. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, c'était. C'était juste là. Voilà, Jean-Mi gardait cette salle avec ce coffre. Et dedans, il y avait 1000 balles. À 1000 balles, ça fait du bien. Ventia, je sais plus où c'est, Ouscu, aidez-moi. Alors maintenant, je dois retourner à Ventia. Enfin, je dois aller à Ventia plutôt. Ventia, je crois que c'est au nord. Il me semble que c'est au nord. À moins que je me trompe. Peut-être que je me trompe d'ailleurs. Bon, par contre, je sais pas si je dois reprendre Broch et Jean-Mi chez le vieux. Mais bon, déjà amené à Ventia, ensuite on ira faire un aller-retour, et puis voilà. Tout sera comme il sera. Il n'y avait absolument aucun sens à cette phrase. Mais si vous avez compris, c'est le plus important. Je vais juste faire un petit ordre de rangement et ensuite utiliser une petite herbe sur moi. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors ça c'est Corsia. C'est bon, je me souviens, ça c'est le Colisée. Nord, Boîte, Ventia. Ah bah Ventia c'est à l'ouest. Bon, pour la forêt finalement, ça attendra. Ça se trouve, j'ai juste oublié un coffre avec un équipement qui sera potentiellement pas utile. Ou plus utile, vu que j'aurai quelque chose de mieux. En petit 107 quand même, ça fait du bien. Alors du coup, ah oui, c'était là où j'étais décédé. Je me souviens, j'avais eu une mort, me semble-t-il. Gagné, j'avais eu une mort sur là-dessus. Ok. Ouais, bon là c'est facile. Hein. C'était facile. Hein. C'était easy. Hein. Maintenant que j'ai un peu plus d'XP et un meilleur équipement. Oui madame, je vous le dis, c'était simple. Au-dessus, je me suis dit merde, il y a deux chemins. Des têtes d'or. Enfin, mais ils enchaînent les critiques, mais incroyable. Ça enchaîne les critiques. Mais toi, tu combats avec quoi? Avec des lasers. Ok. Peut-être falloir que je revoie ton équipement. Eh, décédé. Yes, Kat a pris un vrai sort. Attendez, elle est vraiment décédée?
Mais non. Mais genre... Mais non, j'ai utilisé un porte-bonheur. Sans doute que ça avait une utilité. Mais elle est décédée. Mais merde. Moi je voulais pas. Bon, vite aller en ville. Vite aller en ville. Mais elle est décédée. Libellule. Ouais. J'aurais dû utiliser un sort, je pense. J'en suis certain. Mais elle est décédée, cette conne. Comment je... Deux coups. Comment ça s'attaque plusieurs fois, cette saloperie? Mais je vais t'éclater la gueule. En même temps, le niveau 8, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un niveau 8? Bon, bah, elle est morte, hein. Elle est décédée, voilà. Elle existe encore, mais elle est décédée. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Vous ne pouvez pas entrer. Oh, Mina? Ah oui, ça va, elle est là. Et merci pour votre dur travail. Puis-je passer? Naturellement. Un labyrinthe commence ici, pour tenir envahisseur à l'écart. Poursuivez avec précaution. Comment ça? Non. Au secours. Help. J'ai pas envie. Il y a une personne qui est décédée. S'il y a un monstre, je pète un câble. Oui, oui, oui. Ah, bonjour madame. Vous êtes... J'ai une fois pris soin d'une princesse dans ce château. Et cette princesse a été bannie parce qu'elle avait des ailes noires. Et les gens pensaient que c'était un mauvais présage. Mais le roi l'a faite parce qu'il voulait la protéger. Je connais ce secret, comme vous pouvez le voir. Je n'ai plus la force de sortir de ce lit. Mais à côté de la tristesse du roi, ce n'est rien. Oui, tu veux parler de la personne qui se trouve à côté de moi? Est-ce qu'on peut la ressusciter d'ailleurs? C'est parce que je... Elle est morte. Enfin, elle est décédée en combat. Nina, tout le monde sera secoué quand nous serons de retour, n'est-ce pas? Ok, ouais. Ah, tu n'as pas idée. C'est là où je dois aller? Je sais plus. Au secours? Help? Ah, non, monsieur. Et d'après la légende, une personne avec des ailes noires détruira Ventia. Ok, bon, c'est pas toi alors. Pas toi du tout. Ah, c'est sympa de me dire que je suis en train de me trimballer avec quelqu'un qui peut potentiellement tout casser. Ah, c'est beau. C'est beau, merci les histoires. Mais j'aimerais bien la ressusciter par contre. Vous comprenez J'espère que tu pourras venir à la maison de temps en temps. À gauche. Labyrinthe. Je sens une pression qui commence à monter. J'aime pas ça. Et là, il y a 14 milliards de portes. Alors, la porte là, elle mène à quelque chose. Là, où ça menait à rien. Ici, ça mène à un escalier. J'ai envie d'aller prendre l'escalier. Ah ouais, forteresse labyrinthique. Ah, c'était l'escalier. Oui, c'était l'escalier. Yes. À qui êtes-vous? Ma sœur m'a emmené ici. Je ne sais rien à ce sujet. Mina n'a pas de grande sœur. Oula. Mama? Je suis désolé. Votre princesse semblait s'être perdue. Donc nous... Grande sœur, que dis-tu? Oui, non, mais ils comprennent. Et votre majesté, qu'est-ce que c'est? Il semble que ces gens aient sauvé Mina. Remerciez-les courtoisement et escortez-les hors du château. Mina, tu dois aussi les remercier. Mais... Que dis-tu là? Ma grande sœur! Ah, nous ne pouvons pas permettre à tout le monde de pénétrer dans le château. La meilleure route pour aller dans les terres de l'Est est de franchir la falaise du Sud. L'Est, le Sud, où les falaises sont plus proches et il fait noir. Nous ne pouvons pas permettre à tout le monde de pénétrer dans le château. La meilleure route pour... Oui. Oui, vous venez de le dire, oui. Sont plus proches. Oui, vous venez de... Les mecs, vous venez de dire quoi? Pourquoi Nina n'est-elle pas une princesse? Dis-moi, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au sujet de tes mères? Je suis désolé, je t'ai gêné. Pas du tout. Je pensais que tes ailes noires sont magnifiques. Merci. Et j'aimerais... bonjour. Je peux... Nous ne pourrons pas nous permettre. Oui, c'est bon. Oh, ta gueule!
Oui, j'aimerais la ressusciter. S'il vous plaît. Comment je ressuscite les morts? Venez, regardez. Ceci est un spectacle de magie novateur. L'innovation, la technologie. Je suis un singe. Je mets quelqu'un dans cette caisse parfaitement ordinaire. Je vais le faire disparaître avec mon pouvoir. Viens, viens, monsieur, ne voulez pas relever le défi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Montrez-nous votre courage. Vous ne voulez pas montrer que vous avez peur devant la jolie fille? Évidemment. Bien, nous sommes prêts, tout se passe bien, nous applaudirons. Pendant de tambour imaginaire dans ma tête. Voilà, applaudissez, et je suis quelque part. Et toi, où as-tu mis? Eh, et ben, c'est que... T'apportes la magie. Ah, mais non. Est-ce que Ryu est ton petit ami? Je t'emmerde. Non, mais ramène Ryu. C'est dur pour moi de dire ça, mais le tour de magie est un échec. Elle est disparue dans une autre dimension. Je m'excuse. Non, le chien! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne pige pas. Et tu es en train de me dire que tu ne peux pas le faire revenir? Eh ben, c'est pas que je peux pas. C'est une longue histoire. Pourrions-nous prendre du thé? Je vous l'expliquerai. Non, merci. Maintenant, remets lui. Oh, ce temps. Vous voyez, je suis aussi un célibataire. Stop, tu parles trop. Nina, laissons le gars et allons chercher Liu nous-mêmes. Ne perds pas la tête, petite fille. Je vous aiderai à trouver Liu. Après mon rendez-vous avec Nina. Je t'emmerde. Où voulez-vous jouer avec moi? Je me demande vraiment avec laquelle d'entre vous je veux un rendez-vous. J'étais dans la terre, en fait, depuis tout ce temps. Attendez une minute, je pense que je veux un rendez-vous avec vous. Si vous refusez, Liu ne sera pas sauvé. Ouais. Une autre dimension. As-tu blagué? Juste là, quand tu nous dupais. J'étais dans la terre. Elle va au diable. Oh non. Ah, épargnez-moi. Ah. Pan. Pardonnez-moi, j'ai toujours l'air dans la lune quand je vois des jolies filles. Je me comporterai mieux dorénavant. Oublie ça, c'est sans importance. Liu est de retour sain et sauf. Je voudrais te faire ressusciter d'ailleurs. Quoi? Tu vas me pardonner? Tu es si gentil. Tu es comme je pensais que tu étais. Ça veut rien dire. Tu es trop gentil de pardonner un idiot comme moi. Puis-je t'appeler patronne? Oh non. Qu'est-ce que tu comportes encore? Mais rien du tout, s'il vous plaît. Laissez-moi vous servir. Non, casse-toi. Jamais. Oui. Si tu ne te retires... Yeah. Si tu ne retires pas ce que tu as dit, je vais te rosser. Je ne plaisantais pas. Je donnerai ma vie pour vous. Il est sérieux en plus. Bien, suis-nous, Sten. Ah, chouette. Yes. Ça fait trop de personnages qui nous rejoignent. Je peux... Ah bah elle est vivante. Bon, elle est revivante. Et c'était au niveau 8. Oh là là, il va falloir expliquer tout ce petit monde à un moment ou à un autre. Bon. Alors déjà, on va pas se garder tout de suite. On va regarder un petit peu. Donc Nina, elle est faible. Sten, ouais, déjà Sten. On va le mettre bien. Nina, bon, elle se bat comme une grosse tanche. Voilà, bon, déjà avec ça, ça devrait aller. On va explorer un petit peu cet endroit qui est Ventia. Ventia? Ventia. Je me suis pas trompé. Et ben, un petit peu piller. Non, c'est bien de piller. Il n'y a pas longtemps, une cambrioleuse a sévi. La cambrioleuse ressemblait à une chauve-souris. Mais c'est génial! C'est la personne que je cherche depuis un bon moment. Et par bon moment, j'entends depuis des mois. Oh, ça me rend malade! La cambrioleuse s'est sauvée. Si j'avais été un peu plus mince, j'aurais pu la pourchasser. Quoi? La cambrioleuse s'est sauvée vers l'ouest? Ah bah, merci, il n'y a rien. Bah, parfait. Bon bah, go à l'ouest. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que je vais m'ennuyer? Cependant, est-ce que... Oui, une armurerie.
Et il y a même un truc pour les objets divers et variés. Alors. Bonjour. Alors, donne-moi un maximum d'équipement. Oula. Alors, arme de magicien, épée, je regarde un petit peu ce que j'ai. Ok, donc première chose, on va augmenter l'attaque de Nina. Bon, j'ai une épée plutôt cool, donc ça va. L'arme de poing, ce sera pour l'autre. La dague. La dague pour Sten. Et une armure pour Nina. C'est Nina qui va surtout avoir un max d'équipement pour le moment. Donc, Nina, voilà, meilleure attaque, dans un premier temps. Un peu plus de défense. Sten, plus d'attaque. C'est tout. 4, je pense que c'est tout ce qu'elle aura. Oh, oui, je pense que je peux revendre tout le reste. Ouais. Je vais revendre tout le reste de l'équipement inutile. Alors, ce sera donc cette épée. Voilà, le bracelet, le couteau. Et c'est tout ce qu'on a. Du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter qui coûte pas trop cher? Le truc le plus cher, c'est une cotte de maille protectrice. Je pourrais acheter deux casques de guerrier ou deux boucliers. Deux casques, bouclier, armure. Je vais prendre deux casques et le reste ce sera surtout pour de l'herbe. Alors déjà Sten, il a pas de défense donc il va mettre le casque. Non, au secours. Ah putain, mais évidemment ils mettent pas si c'est utile ou pas. Je déteste cette connerie. Bon bah j'ai fait l'erreur de niquer toute ma thune. Non, attends, c'est quoi que j'ai acheté? Ah mais attends, vitre, c'est que je suis en train de me perdre. Aidez-moi au secours. Arme, casque, ok. Mais heureusement que ça va à tout le monde. Ce n'était pas un achat en vain. Ingénieux, faut vraiment deviner quelle armure est plus ou moins utile. C'est chiant. Et maintenant, je vais prendre deux antidotes plutôt. Et une herbe. Deux antidotes, une herbe, et puis après, je pense qu'on sera bon. Genre, oui, il n'y a pas d'endroit pour se soigner ici. Ça me paraît un peu de la merde. Menu au bazar, équipage pour vous. Eh ben, je vais te prendre. Hop, de l'herbe, et deux antidotes, le reste en herbe, et voilà. Bon. Hop. On met un peu d'ordre. Parfait. On va sauvegarder. Et je pense que on va s'arrêter. Ça me met que c'est un peu bizarre que je ne trouve pas d'endroit pour me reposer. Vraiment étrange. Il me reste 10 minutes. Ouais, encore 10 minutes. 10 minutes, et ben go. Là, y'a quoi? Y'a rien. Ah bah si. Ah bah parfait. Bon, on a un endroit où je pourrais me reposer. Par contre, devine-le que c'est un endroit pour te reposer. L'aventure est appelée la ville qui grandit au ciel. Bah parfait. Du coup, je pense pendant les 10 dernières minutes, on va faire un petit peu de farm. C'est quoi ça? C'est le cirque de Monfion. C'est le cirque de Monfion. Bah, je vais pas rester en ligne, ce qu'il montre des peintres. C'est le cirque de Monfion. C'est terrible la peinture.
C'est le cirque de mon cul, ça. Oh, venez voir, c'est le seul endroit où vous pouvez voir l'homme et herbe, le prix. Ouais, non, on l'a déjà vu. Bah non, merci. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Oh, bah si. Oh, que si, mon copain, je le sais. Bon, du coup, pendant les 10 dernières minutes, on va un petit peu farmer, voir un peu les ennemis de cette zone. Et nous entraîner, monter un peu le niveau de chacun. Parce que, faut se l'avouer, Sten et Nina ne sont pas en top forme. D'ailleurs, attends, Kat, elle a acquis un nouveau sort, Flamme X, Tempête de Feu sur tous, 20. Ouais, donc du coup, c'est pas encore pour aujourd'hui. On va tester l'éclair sur tout le monde et Sten un sort et peut faire le mort, je suppose. Le but du jeu là, c'est de éviter que quelqu'un meure. C'est tout. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. J'aimerais bien avoir une tempête de feu, voir comment ça. Ok, petit couteau à 15 de dégâts, c'est nul. Bon. Du coup, on se retrouve et ben dans 10 minutes pour la fin. Bon, et ben on va s'arrêter là. Pour le moment, c'est un passage au niveau 9 qui a été assez rapide, dirons-nous. On va s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait ouais, quand même une petite heure pour moi. Bon, ça fera moins, je pense. J'estime, ouais, peut-être 45, 50 minutes. Et encore, je ne sais pas trop. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on continue le jeu. Ce sera, je pense, commencer par une petite phase de farm pour avoir un peu de thunes. Et puis... ben on ira à l'ouest pour retrouver cette fameuse voleuse. Parce que c'était ce qu'on devait faire au départ. Comme d'habitude, n'oubliez pas tout ce qui est like, commentaire, l'abonnement. Regardez ce que je fais d'autre si ça vous plaît. Si vous avez des conseils, pourquoi pas. Je suis preneur à l'heure actuelle, d'autant que cette version française commence à m'énerver un petit peu. De par bien des raisons. Il y a Twitter, il y a Facebook. Il n'y a pas Facebook, mais il y a Instagram. De toute façon, vous m'avez compris. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.